petite lanterne. La petite lanterne. Une lumière dans la nuit. En novembre 2022, j'ai fait la découverte d'un travail de recherche passionnant, initié par le polytechnicien Gabriel Fellé, professeur à l'Université suisse des sciences et des arts appliqués. Cette recherche porte sur le Yi Qing, cet outil de divination plurimillénaire à l'origine de toute la civilisation chinoise. Composé de 64 hexagrammes, dont chaque figure possède une signification précise, le Yi Qing, bien qu'il soit très ancien, n'a pas fini de nous surprendre. Sans doute est-ce la raison pour laquelle le professeur Fellé a initié une expérience d'envergure afin de comprendre comment le Yi Qing s'impose à nous comme un défi lancé à notre compréhension habituelle du réel. Son expérience est simple. Environ 150 participants volontaires reçoivent tous les mois, de la part du professeur, une même question pour laquelle ils doivent consulter le Yi Qing. Chaque mois, ils envoient leur hexagramme sortant au professeur qui analyse les résultats en s'appuyant sur les statistiques. Théoriquement, si vraiment les tirages divinatoires étaient hasardeux, comme l'affirme la science moderne, les hexagrammes sortants devraient être aléatoires et distribués au hasard entre les participants. Et pourtant, dès les premières étapes de son expérience, le professeur Fellé remarque qu'une anomalie se produit, qui défie toutes les lois de la statistique. Les hexagrammes sortants chez les participants ne sont pas hasardeux, mais pour chaque question, les participants semblent tirer des hexagrammes identiques ou cohérents entre eux. Mais cela va plus loin. Non seulement les tirages ne sont pas aléatoires, mais en plus, l'analyse de leur signification s'impose comme une réponse tout à fait cohérente à la question posée. Alors, comment fonctionne le Yi Qing et que peut-on en espérer? Qu'est-ce que ces anomalies, du point de vue de la science moderne, indiquent quant à notre compréhension du réel? Et surtout, pourquoi la science rejette si irrationnellement toute recherche sur les outils de divination qui semblent pourtant s'imposer à ceux qui les utilisent comme une évidence en termes de cohérence, de précision et de contenu? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai l'immense plaisir de recevoir pour cet épisode le professeur Gabriel Fellé lui-même. Bonjour professeur, alors pour commencer, est-ce que vous accepteriez de nous présenter un peu votre parcours et les raisons pour lesquelles un scientifique comme vous, qui a fait Polytechnique et qui enseigne à l'université, s'intéresse tant au Yi Qing? Ah oui, mais oui. Ça, c'est une histoire extrêmement personnelle. Donc, j'ai un parcours qui n'est pas du tout linéaire. Hein. Donc, au départ, enfin, je viens d'un petit village au sud de la Suisse, et mes parents avaient une petite station agricole. Et en fait, je voulais devenir paysan, agriculteur. Et je suis allé à l'école d'agriculture. Et là, il y avait un professeur de chimie qui était vraiment excellent. Et après le premier semestre, il est venu vers moi. Puis il m'a demandé, Gabriel, ton plan de vie, c'est quoi, en fait? Tu sais quelque chose? Et je lui dis, oui, moi, je suis ici. Je veux faire l'école d'agriculture. Puis il me dit, non, ça, c'est pas pour toi. Là, c'est pas ton truc, ça. Et sur les 25, 24 élèves qu'on était, il n'y avait qu'un seul qui comprenait vraiment ce qu'il disait, c'était moi. Donc, il m'avait remarqué. Voilà. Et en l'espace de quelques secondes, c'était même pas une minute, il m'avait dit non, toi, tu dois aller à Zurich, au Polytechnique, étudier l'agronomie. Pour moi, en ce temps-là, c'était quelque chose d'absolument impossible. C'était vraiment dans une famille où les études universitaires n'étaient pas du tout de tradition. Mais là, j'ai décidé, au moment où il me dit ça, je me suis dit, tiens, je sais que c'est impossible, mais je vais quand même le faire. Donc, si vous voulez, c'est la première synchronicité de ma vie, cette rencontre avec cette petite discussion avec ce professeur. Et puis, effectivement, j'ai fait ça. Et là, j'ai découvert les mathématiques et la physique. Et j'ai remarqué que j'adorais ça et que j'étais aussi assez bon. Et là, j'avais une amie qui était plus âgée que moi et qui faisait une analyse à la Jungienne. Et puis, on avait une discussion. Enfin, je lui ai représenté un problème que j'avais. Et elle m'a dit, tu sais, moi, je connais quelque chose là qui permet justement de résoudre ce genre de questions où tu n'arrives plus en avant parce que justement, il y a plusieurs options. Elles sont contradictoires ou pas et tu n'arrives pas à te décider. Et puis, je dis, ah bon, puis c'est quoi? Puis, oui, mais je ne sais pas avec ton esprit matheux si ça va, toi, si tu peux l'utiliser, si tu es d'accord de faire ça. Et puis, bien sûr, je suis un peu piqué, là. Puis, je dis,
Hein, donc, et là, j'ai fait ma première session aging. J'étais tellement époustouflé par la pertinence de la réponse. Je me suis dit, mais c'est quand même pas possible. Je jette là 6 fois 3 pièces de monnaie et je reçois un texte avec une résonance intérieure qui est vraiment absolument renversante. Et là, je me suis décidé, j'ai dit, ce bouquin, je ne vais pas le lâcher de sitôt. Et plus de 45 ans après, j'y suis toujours. J'y comprends pas beaucoup plus, si vous voulez, mais j'en découvre des penchants et donc beaucoup plus d'expérience. Mais bien sûr que ça reste un mystère. Et puis je crois que ce mystère de l'exactitude, la pertinence des réponses, c'est toujours un émerveillement chaque fois que vous le faites. Et tout le monde qui le fait aussi, je fais des fois ça avec d'autres personnes, et elles sont toujours très, très étonnées de concevoir à quel point ça cadre. Et on ne saura jamais comment ça fonctionne. Je ne crois pas que l'intelligence humaine, ou bien notre système biologique ou bien neurologique, va permettre de découdre ça, aussi peu qu'on sera capable de développer un concept, par exemple, dans notre esprit, qui peut réunir la dualité particule et puis onde. Il y a un objet. Il y a un objet qui existe comme ça, mais pour nous, on distingue ces deux propriétés de manière directe, quoi. C'est pas, ou bien on a une particule, ou bien on a une onde. Mais en fait, les particules sont les deux en même temps. Mais on n'arrive pas à concevoir un objet, on n'a pas de concept intellectuel pour réunir ces deux qualités. Et je pense qu'avec le I Ching, ce sera la même chose. Mais en fait, et c'est ce que je dis toujours, je dis, vous savez, la mécanique quantique, il n'y a personne qui la comprend vraiment. Par contre, il y a des tas de personnes qui sont excellemment expertes pour l'utiliser à des fins technologiques dans la vie de tous les jours. On est partout, on est farcé de mécanique quantique. On ne comprend pas, mais on sait comment l'utiliser. Voilà. Et ben, le I Ching, c'est la même chose. C'est une codification de l'univers. On ne comprend pas pourquoi ça marche, mais on sait comment ça marche. Voilà. Et puis, si on s'applique un peu, eh ben, on peut l'utiliser comme une ressource, comme un outil décisionnel. Voilà. Un peu comme les ondes gravitationnelles d'Einstein, il y en a très très peu qui comprennent vraiment les tenants et les aboutissants de tout ça, mais pourtant chacun utilise un GPS au quotidien, quoi. Voilà. Oui. Bon, le GPS, je ne sais pas si c'est les ondes gravitationnelles, mais disons, le GPS, ça travaille quand même avec des éléments de la relativité restreinte, à cause des différentes vitesses, des signaux qui viennent des satellites. Alors, si on n'avait pas la relativité restreinte, on n'aurait pas de GPS, ça ne marcherait pas du tout. Ça va dans ce sens, ça va dans ce sens. Je dirais, il y a des effets tunnels, il y a d'autres effets quantiques, personne ne comprend rien, mais on sait que ça fonctionne. Je veux dire, en principe, lorsqu'on parle de science, et on dit on veut comprendre. Non, en fait, la science, elle comprend rien, on décrit et on comprend la description. On comprend par exemple le calcul intégral, bien infinitésimal, l'algèbre et tout ça. Ça, on comprend. Mais on ne comprend pas ce que ça décrit. Par exemple, si je parle des nombres, c'est qui est un concept vraiment fabuleux. Alors, c'est parti. La création des nombres, il y a des tas de théories là-dessus, mais la plus tangible ou bien légitime, c'est de partir à partir du corps. Ils ont remarqué que tout le monde avait les mêmes structures des doigts. Ils ont commencé à calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et puis c'est le début du système hexadécimal. Et ensuite, on a abstrait, abstrait, abstrait. Et maintenant, on arrive à des concepts comme justement les nombres naturels et tous les nombres entiers. Et des nombres premiers qui sont mystérieux à leur façon? Les nombres premiers, c'est des mystères fous. Donc, les nombres sont si on veut parler de Jung, sont des archétypes de l'ordre. Mais comment est-ce qu'on arrivait à faire à partir d'une main, à développer toute cette théorie des nombres et tout ça, c'est quand même assez affolant, n'est-ce pas? Mais tout le monde travaille avec ça. Voilà. Et puis ça fonctionne. Il y a des répercussions réelles. Donc, avec les nombres, on peut manipuler le monde physique, biologique. Voilà. Et pour moi, les hexagrammes, ce sont aussi des nombres, des éléments qualitatifs qu'on utilise pour codifier les éléments, tous les changements, les transformations de l'univers. Et c'est aussi une création
de l'esprit humain, les hexagrammes. Comme les nombres naturels sont une création de l'esprit humain, mais la culture occidentale accepte sans problème la validité et la pertinence dans la réalité des nombres, mais elle refuse sans raison la légitimité des hexagrammes. Et sans raison, je dis, elle refuse même d'expérimenter la chose, en disant bien évidemment que toute science doit être expérimentée. Les scientifiques mainstream, il va toujours refuser, il aura l'impression de se salir les mains s'il prend trois pièces de monnaie et puis s'il pose une question plus sérieusement. Il y avait ici, je connaissais une dame, et son mari était un physicien théoricien high hand. Il était aussi directeur du Polytechnique pendant quelques années. Donc, un scientifique vraiment bien trempé. Et sa pauvre femme souffrait des maux de population qui faisaient réellement mal et tout ça. Alors, comme il était branché dans tous les secteurs de sciences, ils avaient vu les plus grands praticiens, les plus grands professeurs, les spécialistes, mais rien n'y faisait, rien n'y faisait. Et sa femme, une fois dans son désespoir, elle lui a dit, écoute, voilà, demain je vais aller voir un acupuncteur. Et puis, il dit, bon, pourquoi ? Elle dit, écoute, j'ai une amie qui a les mêmes symptômes que moi, elle y est allée, puis après trois séances, c'était beaucoup mieux. Alors, elle lui dit à sa femme qu'il prétend aimer, s'il te plaît, ne fais pas ça. Et elle dit, mais mon pauvre chéri, pourquoi ? Elle dit, parce que si ça marche, il y a mon système qui va s'écrouler. Alors ça c'est très intéressant parce que finalement, est-ce que c'est pas pour des raisons davantage sociologiques que purement techniques si la science occidentale a autant fait l'impasse sur ces questions-là ? Au sens où tout chercheur qui va essayer de s'aventurer sur ces terrains-là met en gage sa réputation, met en gage certaines de ses recherches qui sont parfois très compliquées à financer. Est-ce qu'il n'y a pas tout cet aspect sociologique qui vient nécessairement... C'est exactement ça. Vous faites court-circuiter tout de suite. Alors, il y a vraiment, disons, il n'y a pas tous ces professeurs d'université ou bien en polytechnique, ou alors ils sont vraiment super courageux, ils n'ont plus rien à perdre, ils sont près de la retraite, voilà, et là, ils vont peut-être s'engager là-dessus. Mais quelqu'un, là, en pleine carrière, n'osera jamais y aller. Si déjà, il pense à y aller, s'il a déjà cette créativité dans la tête pour se dire, tiens, il faut aller voir un peu là, mais il n'osera jamais présenter un programme à un fonds de recherche. On a le fonds de recherche national ici pour financer des projets. Si vous déposez ça comme ça, vous êtes à tout jamais sur la liste rouge des chercheurs qui ne vont pas financer. Oui, c'est iconoclaste, c'est vraiment une grande trahison vis-à-vis de l'establishment de la science. On ne pardonnera ça jamais. Alors que je disais, mais vous condamnez la chose, puis vous ne voulez pas essayer. Mais Gabriel, jamais de la vie, on va faire ça. Tu oublies. Donc là, c'est exactement ça. Donc c'est le statut social, enfin, la position qu'on a dans la société, dans cet édifice très pyramidal, qui ne tolère aucune déviation idéologique. Donc, ce qui est le problème, c'est que la science, elle est plus idéologique que scientifique. Et tout ce qui n'est pas dans les préceptes de base de la science, c'est absolument refusé. Et une chose les plus dramatiques pour comprendre justement ce qui se passe dans notre univers, avec une méthode scientifique, c'est que la science refuse toute intentionnalité dans l'univers. Et ça, c'est le grave problème. Donc le scientifique, lui, se considère comme un observateur muni d'intelligence et il observe quelque chose qui est, si vous voulez, inerte. Et de penser que là derrière, il y a une intelligence qui se cherche, elle n'est encore pas vraiment définie. Elle est là, elle existe, mais c'est pas une mécanique au sens de Newton. Donc il y a une mécanique, il y a des principes immuables et tout ça, mais c'est beaucoup plus souple, beaucoup dynamique. Donc il y a certainement des lois universelles, mais ces lois universelles, elles peuvent aussi se transformer dans d'autres lois. Donc c'est... Si vous voulez, la gravitation de Newton, elle reste toujours vraie, bien sûr, mais elle est moins universelle que la gravitation de la relativité restreinte et encore beaucoup moins vraie que la gravitation de la relativité générale. Donc ça s'emboîte. Mais là, on peut s'imaginer, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas partir du fait que... Qu'est-ce qui nous permet de dire que l'univers n'a pas une intention ? Mais finalement, la question que je voudrais vous poser derrière tout ça, c'est est-ce que l'intentionnalité dont vous parlez pose l'existence d'un,
d'un être, d'une conscience, avec une conscience de soi, avec des desseins et avec des finalités précises. Alors, je veux dire, bon, bien sûr, là, c'est, on spécule complètement, mais j'ai absolument aucune raison de dire le contraire ou je peux pas le prétendre le prouver aussi, bien sûr. Mais c'est quelque chose dont je suis très convaincu. Mais maintenant, décrire cette entité, n'est-ce pas? Alors, il y a ces images-là du Christ, là, ou bien du bon Dieu, avec des sages, mais quand même sévères et tout ça, et avec ces aspects anthropomorphiques. Justement, c'est là où j'aime bien Spinoza, parce que il lutte complètement contre cette idée de prêter à ces entités qu'on n'arrive pas à décrire verbalement, de leur prêter des caractères humanoïdes. C'est là la grande erreur. Et cette grande erreur, je pense que ça vient de notre religion, de la chrétienté, de la juiveté, où il y a toujours quand même un père créateur. Ce n'est pas toujours le cas. Bon, le bouddhisme, je pense que vous connaissez mieux que moi, mais là, la question du début, elle ne se pose pas. Ce n'est pas ce qu'il y avait au début, c'est ce qui est maintenant. Et là, y a eu, je dirais, il y a eu un dérapage qui est dû justement à ces conceptions. Et puis, un des graves problèmes des religions, c'est que elles veulent imposer entre cette entité ultime et transcendantale et l'être humain quelque chose qui fait la transmission. Elles se sont accaparées le droit de la communication avec les hautes sphères. Voilà. Et bien sûr que ça, si on peut établir ça comme un droit absolu, ça donne une puissance énorme. Parce que l'être humain a besoin de cette transcendance et avec l'Église, il peut y accéder. Seulement à travers l'Église. Donc, ça lui donne un pouvoir sur tout. Et se révolter là contre, eh bien sûr que ça va les énerver, et puis qu'ils vont commencer à créer des bûchers pour se séparer tout ça. Et puis le problème d'une intercession, de l'idée qu'il y aurait un intercesseur entre Dieu et nous, c'est que ça permet à cet intercesseur de dicter la morale aussi. C'est les gros chantages. Et ça a marché parce que ceux qui n'acceptaient pas de le croire, ils étaient simplement éliminés. Et bien sûr qu'avec le I Ching, on court-circuite ça de manière radicale. Alors de quelle façon? Je veux dire, de quelle façon déjà est-ce que le Yi Qing pose la possibilité d'une intentionnalité, et de quelle façon la façon dont il entrevoit les processus de transformation vient court-circuiter ce qu'on a décrit jusqu'ici? Eh ben, d'abord, je vais répondre à la dernière question, parce que l'autre, elle est beaucoup plus compliquée. Alors, eh ben, le court-circuitage vient du fait que pour consulter les entités qui vous supposez, qui vous transcendent, vous appelez ça votre inconscient, ou bien même plus, ce qui se passe dans l'univers. En fait, lorsqu'on veut communiquer avec un Dieu, que ce soit dans l'Église catholique ou bien protestante, on veut communiquer avec une instance qui nous dépasse. Et eux ont façonné ça comme ça en mettant des images humanoïdes là-dessus. Et avec le I Ching, on va parler avec l'esprit même de l'univers, qui peut être aussi bien dans une grande partie couvert un peu par notre propre inconscient. Donc, avec le I Ching, en fait, on entame un dialogue avec un Gabriel qui, mentalement ou bien sagement, dépasse le Gabriel qui est sur Terre et qui lui pose une question. C'est un peu le surmoi de Gabriel. Et on rejoint cette intelligence universelle qui a pour but, justement, de chercher une balance entre le yin et le yang. Parce que toute la vie, en principe, elle est basée sur selon le I Ching, c'est la polarité. Alors, on va faire comment? Ben, on appelle une le yin, une l'autre le yang. Et les meilleures définitions du yin et du yang, c'est pas dénoncer des attributs qui sont yin et d'autres qui sont yang, parce que ça, c'est complètement, c'est pas opérationnel. Mais ce qui est yin, c'est ça qui doit devenir yang. Et ce qui est yang, c'est ça qui doit devenir yin. Incessamment. Et il n'y a pas d'absolu dans le yin et le yang. Ça change toujours. Maintenant, dans les autres considérations, si vous voulez, voilà, un des problèmes des Grecs aussi, c'est que eux voyaient l'individu comme une somme d'attributs qui lui appartenaient. Donc, on définit l'identité d'une personne avec une liste de qualités, d'attributs qui le définent.
Voilà. Alors que dans la philosophie, si vous voulez, la philosophie enfin, le peu que je connais de la philosophie, c'est que l'individu, c'est sa capacité au changement. Donc, complètement à l'opposé de l'identité qui vient de la philosophie grecque. On dit non, pour être dans sa vraie identité, il faut être toujours dans la transformation. Dès qu'on ne se transforme plus, l'identité se dissout. Mais ça, c'est énorme, c'est une vraie rupture, parce que d'un côté, toute la philosophie occidentale pendant des siècles s'est constituée en partie autour de la question du propre de l'homme, c'est-à-dire cet élément rigide, définitif, et d'un autre côté, on a la rencontre là avec une doctrine, une perspective tout à fait différente qui nous dit, mais finalement, on ne pourra saisir l'essence de l'être qu'en tant que processus impermanent, toujours en changement et toujours en transformation. Vous l'avez dit beaucoup mieux que moi, mais c'est ça. Et c'est ça la grande discrépance entre la philosophie occidentale et la philosophie orientale, c'est que l'une se définit par des attributs fixes et absolus, et l'autre dit, mais il n'y a rien d'absolu, il n'y a rien qui est fixe, on change. Et maintenant, la physique commence à reconnaître qu'il n'y a rien d'absolu. L'espace n'est pas absolu. L'espace tel que l'a défini Newton, c'est une convention. Malheureusement, super génial et très pratique. Tout ce que Newton a fait avec son espace cartésien et tout ça, ses coordonnées, mais c'est génial. Et c'est pas l'espace dans lequel nous vivons. L'espace dans lequel nous vivons, en principe, aujourd'hui, on n'en a aucune idée. On parle de pixeliser l'espace, donc c'est cette histoire de se représenter l'espace comme un continu vraiment constant et puis qui est là et qui ne bouge pas, c'est révolu. Bon, la matière aussi, la conception qu'on avait de la matière, il n'y a rien qui est absolu. Le temps, votre temps ou bien le mien, il n'est pas la même chose. Vous habitez à Strasbourg, donc déjà seulement par la différence de hauteur, le temps que je vis moi est différent. Une seconde chez Gabriel dure un peu plus longtemps que chez Jismi. Et c'est vérifié. Il n'y a pas deux endroits dans l'univers où le temps s'écoule de la même façon, contrairement à l'idée justement du temps de Newton, où on avait cet espace avec les trois axes, et puis en dessus, un temps qui s'écoule, toc, 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 donc des minutes qui se répètent, qui se répètent, qui se répètent indéfiniment. Le temps a été complètement aseptisé, mais ça nous a donné des possibilités là, technologiques absolument géniales. Mais se basant sur des principes consensuels, et d'autant plus consensuels, voilà, d'autant plus consensuels que même chez Newton, on n'a conservé qu'une partie de ses travaux, parce qu'on sait aujourd'hui que Newton s'intéressait notamment énormément à l'alchimie. Ah Et oui, qu'il mais avait. ça, on raconte pas ça au collège. Hein. Il était aussi dingue alchimiste que physicien. Donc c'était non, Newton, c'était le génie universel. Et il n'avait pas peur de tremper les doigts ici et puis là. Donc voilà, il le disait aussi. Hein. Mais maintenant, tout ça, on le biffe parce que ça passe pas. Voilà. Et pourquoi je crois à une intention de l'univers? Ça fait maintenant 40 ans que je travaille avec le I Ching. Et puis il y a cet aspect cyclique. Subitement, on se rend compte que ces hexagrammes entre eux, lorsqu'on questionne les hexagrammes, on voit qu'en arrière-plan, il y a une structure hexagrammique qui se dessine. Et on se dit, mais voilà, c'est quelque chose d'autre quand même. Ça voudrait dire qu'il y aurait, au-delà de l'idée d'un temps linéaire qui n'est que succession quantitative, il y aurait derrière tout ça une espèce de structure géométrique qui contiendrait aussi un certain nombre de qualités. C'est-à-dire le temps ne serait pas que quantité, il serait aussi qualité qui se manifesterait à certains moments propices en fait. Alors disons que le temps est surtout qualité et accessoirement quantité. Si vous voulez envoyer une fusée sur la Lune, vous considérez l'aspect quantitatif, mais si vous voulez résoudre des problèmes plus importants, là, je dirais qu'une nouvelle méthode, ce serait de considérer la qualité du moment. Qui est en rupture totale, encore une fois, avec tout ce sur quoi on se base habituellement. Le temps pour 98% des scientifiques, c'est ce qui se passe là, sur la montre. Voilà. Et d'ailleurs, un des préceptes fondamentaux de la science, c'est que tout ce qui contribue à définir la réalité objective doit être mesurable, c'est-à-dire interprété par des sens. Parce que si vous mesurez,
vous réduisez l'observation à une quantité qui correspond à vos sens, que ce soit les yeux ou la vitesse. Enfin, c'est toujours des choses, si vous voulez, qui peuvent être prises en compte par les sens. Mais maintenant, je dirais, il y a tellement de choses plus importantes aussi dans la vie qui ne sont pas mesurables. C'est par exemple la créativité scientifique. Alors, pourquoi est-ce que des gens qui baignent dans la créativité scientifique? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de physiciens qui sont vraiment sont très intelligents et tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas là le problème? Parce que si la créativité scientifique n'impacte pas la réalité dans laquelle nous vivons, alors elle fait quoi? Donc là, il y a une contradiction interne qui est, à mon avis, absolument insupportable. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à accepter justement qu'il y a des éléments importants dans la conjugaison de nos réalités, tout ça, et qui ne sont pas mesurables, mesurables, mais d'une autre façon. On mesure, mais c'est-à-dire, on mesure justement avec soit des mètres, soit des. Enfin, c'est toujours. On réduit quelque chose à quelque chose de tangible. Vous écoutez la petite lanterne. Mais ce qui est terrible finalement, c'est que si on voulait être un peu tatillon, le yiking par exemple, il y a un certain nombre de choses. Soyons tatillons. Voilà, soyons tatillons. Il y a un certain nombre de choses quand même qui peuvent se mesurer entre un certain nombre de, on va dire, de prédictions et leurs résultats, c'est-à-dire vrai ou faux, on peut le mesurer. Est-ce que quelque part le travail de recherche que vous avez entrepris avec l'association, alors je ne sais pas si je prononce bien, c'est Woji? Joey. Joey, voilà, avec l'association Joey, n'est pas une façon justement de tirer un peu le yiking et l'aspect mesurable de la science l'un vers l'autre pour essayer de voir ce qu'il en ressort dès que les statistiques s'en mêlent. Voilà. Vous m'envoyez la bande que vous avez enregistrée là, comme ça je peux prendre les mots assurants. C'est exactement ça. C'est-à-dire que avec ce travail, moi je ne veux pas apporter de réponse à quoi que ce soit. Mais je veux dire, voilà, en fait, le protocole est le suivant. Il y a 150, 160 personnes qui tirent chaque mois un hexagramme sur une question qui est fixe. Bon. Maintenant, si les hexagrammes qui apparaissent de manière purement statistique, donc tous les hexagrammes devraient être en principe avoir la même occurrence. Ça, c'est les lois statistiques. Donc, si c'est vraiment que du hasard, s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui est caché derrière ce choix des hexagrammes, eh ben, tous les hexagrammes sont présents. On devrait être dans l'aléatoire pur, quoi. Oui, bon, on va peut-être parler de ce que c'est qu'aléatoire pur après. À mon avis. Mais ce qui se passe, c'est que pour chaque expérience, il y a un groupe de 5 ou 6, des fois 7 hexagrammes, qui apparaissent 3 ou 4 fois plus souvent que les autres. Et à chaque fois, ce sont des hexagrammes différents. Ah oui, bien sûr. Oui. Pour chaque question différente, on a un autre groupe d'hexagrammes qui se... Différentes, on a des hexagrammes différents. Par contre, ce qu'il y a, c'est que ces hexagrammes sont reliés entre eux par des relations structurelles. Il y a des familles d'hexagrammes, des hexagrammes qui se transmettent, si vous voulez, des informations. Et on peut voir que tous ces hexagrammes qui viennent de manière prédominante, eh ben, sont reliés par ces familles aussi, ce qui est assez intéressant. Et d'autre part, il y a aussi des hexagrammes qui n'apparaissent pas du tout. J'appelle ça les hexagrammes silencieux. Et ceux-là aussi sont reliés entre eux, ou bien ont des relations très nettes, et puis des relations qui sont définies par la mécanique des hexagrammes. Donc ce n'est pas quelque chose d'artificiel. Il y a des lois très précises, comme des lois de calcul algébrique. Et on peut les retrouver dans la manipulation des hexagrammes. Alors là, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est qu'à partir du moment où collectivement des individus se réunissent autour d'une question et interrogent de la même façon le Yiking, le résultat, La même question. ouais, la même question, voilà, le résultat va défier les lois attendues de la statistique et la façon dont ça va les défier est en plus structurellement cohérente. Ouais. Voilà, c'est ça. Et j'ai ma table, j'ai ma banque de données là. Et c'est bien ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que je vais essayer avec cette expérience de sortir justement le Yijing de la non-visibilité, d'avoir un protocole relativement simple, et puis dire voilà, mais c'est ce qui se passe. Alors,
Ça veut dire quoi? Alors bien sûr qu'il y aura tous les scientifiques et puis les statisticiens qui vont dire, oui, mais si on a 150 exemplaires, là, ça peut arriver par hasard, comme ça. Et donc, ils vont noyer la chose en place de se dire, mais ah bon, mais oui, mais attention, le problème, c'est qu'ils sont pas plus prédominants que les autres, mais ils font aussi du sens. C'est-à-dire que les hexagrammes qu'on reçoit, si on les regarde avec la question posée, ils sont reliés par du sens. Et ça, c'est exactement ce qui se passe avec un processus synchronicitaire. C'est-à-dire qu'il y a un état intérieur, un état psychique intérieur, qui est relié avec un élément du monde extérieur par un processus aléatoire, et ça crée du sens. Ça, c'est la définition de la synchronicité. Donc, chaque fois que vous faites une session I Ching, vous créez une synchronicité. Et c'est là, si vous voulez, aussi un argument que j'avance, c'est-à-dire que la synchronicité, on peut aussi avoir des synchronicités sur commande, on peut les provoquer. Comme ça, c'est plus que des coïncidences, on peut vraiment provoquer des synchronicités avec le I Ching, avec le tarot aussi, bien sûr. Mais je préfère le I Ching parce qu'il a une structure plus complexe, plus raffinée que le tarot. Ça m'interpelle plus. Moi, Christian dirait, Gabriel, c'est faux, le tarot est aussi très bien structuré. Oui, pour toi, bien sûr, mais pas pour moi. Peut-être qu'aux yeux de quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'utiliser les tarots, le Yiking peut avoir l'air un peu moins sujet à interprétation. Alors, bon, bien sûr, on interprète tout, hein, mais voilà que avec le I Ching, on a quand même, on a ces 64 hexagrammes avec des textes plus ou moins bien éclairés, et surtout. On a les hexagrammes opposés, renversés et nucléaires, donc qui permettent, dans le doute, de dissocier ces interprétations. Et moi, ce que je fais bien souvent, si je pose une question et je reçois une réponse qui est un peu, je dis oui, ça va un peu dans ce sens, je suis d'accord, je pose la question contraire. Ensuite, je compare les résultats. Et là, c'est toujours très clair. Là, il y a une dissociation qui est toujours très nette. Bon, maintenant, bien sûr, il faut avoir un peu d'entraînement pour lire les hexagrammes, mais je dirais dans le tarot aussi, il faut avoir un entraînement pour jouer de la musique. J'ai une fille qui est musicienne, elle s'entraîne tous les jours. Donc, c'est bien sûr, il faut avoir un peu d'exercice et puis voir un peu justement comprendre la nature, l'essence de chaque hexagramme et puis pour le différencier des autres. Savoir pourquoi l'hexagramme 35, ben, c'est pas l'hexagramme 36. Et ça prend du temps. Mais bon, tout ce qui ne prend pas de temps, on dit que le temps méprise ce qui ne prend pas de temps. Je trouve pas mal. J'aime bien, j'aime bien. Oui, ça c'est bien. Oui. Et alors, est-ce que, moi, ce que je me demande, c'est, on sait qu'il y a 64 hexagrammes, c'est-à-dire que finalement, toutes les situations pourraient se résumer à 64 catégories types qui se croisent entre elles pour essayer de déterminer au sein de ces situations un certain nombre de nuances. Est-ce que quelque chose de l'ordre de l'éthique, d'une éthique naturelle, se dégage de la façon dont le Yiking propose d'interpréter le réel. C'est-à-dire, on a, comme on en a parlé tout à l'heure, d'un côté, des religions qui posent artificiellement une morale pour essayer de régler notre rapport à l'autre, mais est-ce que à travers du Yiking et de la lecture des situations, on n'aperçoit pas aussi que l'éthique et ce qui vient régler notre relation à l'autre pourrait être en fait la traduction de quelque chose de tout à fait naturel et non plus d'artificiel? Ah ben, écoutez, voilà, vous parlez du nombre d'hexagrammes, avec un arrière-plan, l'idée, ça ne fait pas beaucoup, hein, pour tout expliquer, ça peut être un peu restreint, et puis là, on pourrait se dire, oui, mais alors tu as vraiment fait des études de physique, parce que avec 64 éléments de base, là, vraiment expliquer tous les phénomènes transitoires, d'évolution de l'univers, j'ai l'impression que tu simplifies un peu trop. Voilà. Alors là, la réponse, elle est très simple. Il faut dire, ah ben, toute la biodiversité, tout l'ADN, tout ce qui vit, tous les arbres, toutes les différentes feuilles des arbres, toutes les écailles de poissons, tout ce qu'il y a de vivant, c'est basé sur l'ADN. Et l'ADN a exactement 64 molécules de base qui, dans une combinaison suffisamment intelligente, reproduisent toute cette multiplicité. Alors donc, si vous parlez d'éthique naturelle, je dirais que l'ADN, c'est très naturel. Et ça a été identifié, il y a 64 éléments de base,
On peut aller des 60 éléments de base avec 8 éléments aussi de base, et ensuite 4, c'est l'adénine, cytosine, guanine et puis thymine. Ce sont aussi 4 éléments de base dans le I-Ching qui sont ensuite combinés pour faire les 64 hexagrammes. Alors, voilà, ce qui veut dire, c'est que d'une part, on a l'ADN pour décrire le monde matériel, bien la chimie du monde matériel, et d'autre part, on a les 64 hexagrammes pour décrire la diversité du monde intangible. Et maintenant, on pourrait s'imaginer qu'il y a une sorte de métasystème où la théorie de l'ADN, la théorie du I-Ching, se mêlent et ça formerait justement cet élément de base dont Wolfgang Pauli, qui est un des plus grands physiciens du XXe siècle connu, qui a beaucoup travaillé avec Sergei Jung aussi. Et il disait, lui, que la vraie physique sera celle qui saura unir la matière et l'esprit. Et avec ces deux modèles, de l'ADN et des hexagrammes, on aurait quelque chose où dans toute cette mécanique serait de manière très, très, très habile, très intelligente, écrite. Alors, dans le I Ching, il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'éthique. Seulement, bien la seule éthique du I Ching, c'est de rétablir l'équilibre entre les éléments yin et les éléments yang d'une situation précise. Et puis voilà. Donc, des fois, ça peut aller vers des attitudes, si vous voulez, qu'on peut retrouver dans la vie chrétienne, mais c'est tout à fait autre chose. C'est de rétablir, d'éliminer les surplus de yin ou de yang, pour trouver un équilibre. Et cet équilibre, il est toujours, dès qu'il s'est réalisé, il va tomber, toi. Donc, c'est immuable. Il y aura toujours cette dynamique. C'est pour ça que le début du I Ching, personne n'en parle, mais ça a des sources chamaniques. C'est comme si on parle de l'histoire des nombres. Bien sûr on peut dater à partir de quand est-ce qu'on a les nombres romains, latins et tout ça, arabes. Mais la capacité des nombres à décrire la physique, pourquoi est-ce que les calculs intégraux ont été inventés, pourquoi ça marche si bien, pourquoi est-ce qu'on a des théories algébriques complètement abstraites qui comportent vraiment de manière idéale pour décrire la mécanique quantique. C'est un ordre derrière qui est caché. Et ce que nous faisons, nous, c'est de remettre à jour, enfin de découvrir cet ordre, de l'extérioriser avec nos moyens. Et donc, si j'en suis ce que vous dites, et si j'en suis une lecture du monde qui serait basée sur le Yiking, on pourrait dire que le destin de l'univers consiste à retrouver un équilibre qui a été perdu. Et finalement, si on regarde dans la trace un peu physique et matérielle de ce qui est observable, la santé, c'est un équilibre précaire entre des forces différentes, l'homéostasie, l'équilibre biologique, l'équilibre de l'écosystème. Il est toujours question d'équilibre pour maintenir un ensemble harmonieux finalement. Est-ce que le destin de l'univers n'est pas là, de retrouver une forme d'équilibre? Ça, ce sera ma première question. Et la deuxième question, qu'est-ce qui a déséquilibré l'ensemble? Et bon, maintenant, attention, parce que ce qui est déséquilibré, c'est la vie sur Terre. Hein. L'univers, je sais pas, c'est déséquilibré. Ce sont deux choses différentes. Alors, je crois que l'univers, il s'en fout un peu de nous. Lui, il se développe. Mais nous, ici, on a un sacré problème, et ce problème est extrêmement local. Il est même pas, il est encore plus local que la Terre. C'est un problème de l'espèce humaine. Si on met ça à l'échelle de l'univers, donc, univers, c'est absolument peanuts. Rien du tout. Rien du tout. C'est comme si un investisseur, il a, je ne sais pas, disons 300 milliards, et puis il perd 10 millions. Ça fait une partie pour lui, il s'en fout. Non, le problème du déséquilibre, ce n'est pas l'univers, c'est la vie sur Terre qui est pour nous, donc pour nous, êtres humains, déséquilibrés. Et puis bien sûr qu'on risque fort d'embêter les autres avec ça. Mais pas trop. Nous, on va payer ça beaucoup plus que les autres. Mais alors le problème du déséquilibre, même à l'échelle locale, c'est qu'il est source de souffrance, on pourrait dire. Est-ce que finalement le Yiking, en répondant à ce déséquilibre, permet d'élaborer les bases d'une vie qui serait plus heureuse? Mais essentiellement, parce que si vous faites du I-Ching, le I-Ching va vous remettre à l'ordre si vous n'êtes pas là dans vos traces.
Il va vous dire, c'est que, mais tu es complètement à côté des sabots, mon cher. Tu n'es pas là où tu dois être. Donc, avec le yijing, on peut se développer avec son propre rythme, avec ses propres ressources. On peut devenir ce que, selon Nietzsche, on devrait devenir. Il ne s'agit donc pas de dire que chaque individu aurait un destin rigidement décrit et tracé, mais que chaque individu peut, compte tenu des aléas et des contingences qui l'entourent, essayer de tirer le meilleur profit de ses conditionnements secondaires, en fait. Absolument. Si, enfin, moi, je vois ça un peu comme si vous faites un trajet en voiture avec un GPS. Le GPS vous donne une direction, et puis vous passez là, puis vous voyez, ah tiens, il y a une chute d'eau là. Donc vous sortez de l'autoroute, puis vous allez voir ça. Et le GPS va vous dire, nouveau calcul. Et vous voulez aller de A à B. Alors vous pouvez aller directement, ou bien vous pouvez vous égarer par-ci par-là, tant que ça vous fait plaisir. Et il peut vous arriver des tas de trucs. Vous allez voir la chute d'eau, puis vous oubliez qu'il y a un pont qui est pas assez solide, et puis pouf, voilà. Et la dimension morale est totalement absente de ça, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire qu'un chemin est dans le bien et l'autre est dans le mal, c'est simplement que si on emprunte tel chemin, il faut s'attendre à telles conséquences en fait. Voilà, vous avez plusieurs possibilités. Le Yijing vous dira jamais laquelle choisir. Vous dire, bon, si tu fais comme ça ou comme ça ou comme ça, là il y a un bon présage, là il y a un mauvais présage. Par contre, là tu vas aller beaucoup plus vite. Mais il y a des risques d'inondation. Alors, si tu préfères ça, tu y vas. Autrement, tu peux passer dessus la colline. Là, tu prends, disons, 40% de temps en plus, puis c'est raide, puis c'est aride, mais là, il n'y aura pas d'inondation. Là, ce sont des options ouvertes en fonction de la qualité du moment et de l'opportunité qui doit s'aligner sur la qualité du moment. Donc, avec le Yijing, on peut révéler. C'est un révélateur de la topologie du temps vrai. Et alors, vous cherchez, entre autres choses, par l'expérience que vous êtes en train de mener avec l'association Joey, vous tentez d'envisager la possibilité d'un usage du Yiking pour des techniques de décision managériale. Comment est-ce que le Yiking pourrait être utile à l'entreprise, au management, et qu'est-ce qu'elles auraient à en tirer de bon? Eh ben tout, disons déjà au niveau du management du personnel. Si on a les bonnes personnes dans les bonnes positions, ça facilite beaucoup les choses. Il y a dans le Yijing, il y a un hexagramme qui s'appelle, c'est le numéro 6, qui s'appelle conflit, et c'est la manière de résoudre les conflits. Donc aussi au niveau du dynamisation des collaborateurs, on peut faire des choses fantastiques avec le Yijing, j'en suis persuadé. Réduire des conflits et tout ça. Et surtout avec le Yijing, les gens comprennent qu'ils ont avantage à être là où ils devaient être. Et est-ce que, alors ça c'est pour revenir encore une fois à la dimension éthique, est-ce qu'une entreprise qui utiliserait le Yiking se conduirait naturellement plus sainement à l'égard du vivant et à l'égard de l'humain? Est-ce qu'il y a derrière l'usage du Yiking quelque chose qui vise à dire qu'un comportement éthique est toujours plus favorable, y compris pour soi-même? Ce qui rejoindrait un peu la notion de karma. Ça, c'est le pari que je fais, oui. Mais bien sûr qu'avec le Yijing, si vous voulez, il y a beaucoup de ces petits managers qui veulent faire du profit à court terme. Et ils veulent s'acheter une Ferrari à la fin de l'année. C'est ça leur histoire. Alors donc, ils ont deux stratégies de produits. Il y en a une où ils peuvent gagner, ils peuvent faire les poches vraiment en l'espace de quelques temps. Voilà. Mais ça va coûter ça et ça et ça et ça. Mais ils ne sont pas responsables de ça parce qu'ils sont loin. Ils vont faire comme ça. Donc, il n'y aura pas cette considération de respect du yin et du yang, parce que cette action-là pour faire du profit à court terme, bien évidemment que ça va faire balancer la balance d'un côté où ça risque d'être comme ça en situation un peu périlleuse. Mais je suis persuadé qu'avec le Yijing, justement, on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus harmonieux. Certainement aussi au niveau social, beaucoup plus équitable. Et ce qu'il faut dire, c'est que dans le temps des empereurs en Chine, tout ce qui se passait à la cour était travaillé avec le Yijing. Et tous les fonctionnaires devaient connaître le Yijing. Donc, c'était des profits du Yijing. Bon, ça a quand même mené là-dessus que ça n'a pas marché, quoi. Mais bon. Finalement, au bout du compte, on en est là quand même.
On en est là, mais c'est parce que ils ont pas su l'utiliser de manière correcte. Et Mao avait interdit l'utilisation du Yijing. Mais au-delà de la révolution culturelle imposée par Mao, est-ce qu'on ne peut pas envisager des tendances, c'est-à-dire des trajectoires nécessaires dans le temps, au sens où on se dit on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas eu la possibilité d'utiliser des outils comme le Yiking, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas nécessairement quelque chose dans le temps qui s'inscrit comme une trajectoire nécessaire de déclin? Et de renouveau, si on est dans une perspective cyclique. Est-ce que ça, c'est pas nécessairement des trajectoires dans lesquelles on est pris et dont on peut pas se défaire? Alors on peut toujours aménager tout ça pour essayer d'en tirer le meilleur, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de nécessité au déclin qu'on traverse aujourd'hui et au déclin Eh ben, vous savez, dans les 64 hexagrammes, il y a le 63e qui s'appelle après l'accomplissement, qui symbolise la situation de l'ordre parfait. Donc, c'est parfait. Tout est absolument en ordre. Mais maintenant, comme la loi fondamentale, c'est que tout doit changer, alors même l'ordre parfait doit changer. Il peut pas être autre chose que se retourner dans le désordre. Et là, on tombe dans l'hexagramme numéro 64, qui lui est le symbole du parfait désordre, c'est-à-dire que c'est le chaos absolu, et il s'agit là, le scénario de l'hexagramme 64, c'est de reconstruire à partir du désordre un nouvel ordre. Alors c'est exactement ce que vous dites, c'est que ça se passe comme ça, voilà. Et je dirais, le Yijing, vous savez, c'est 64 images avec des textes spécifiques pour expliquer tout ce qui se passe dans l'univers. Bien sûr que c'est une complexité énorme. Si ce n'était pas complexe, ce ne serait pas le Yijing. Mais si on s'y applique, ça fonctionne drôlement bien. Mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter que, par exemple, je ne sais pas si on a des ambitions politiques qui sont très proches de l'ego. Vous savez que le Yijing peut vous dire oui, c'est une bonne idée ou pas. S'il dit oui, ben vous allez vous sentir réconforté, puis vous allez y aller. Mais s'il vous dit non, ben vous dites, bon, ben, j'y vais quand même. Et là, c'est un truc fantastique avec le Yijing, c'est que ça, c'est une expérience que tout le monde a fait, je pense, la plupart ceux qui s'occupent du Yijing sérieusement, c'est que les premières fois, vous tirez un hexagramme avec en arrière-plan l'idée d'une validation de ce que vous proposez. Alors, si vous proposez une grosse bêtise, le Yijing va dire non, c'est pas bien, il faut rien faire, c'est pas favorable. Alors, vous posez la même question, mais avec une nouvelle formulation. Ben, si vous faites ça deux ou trois fois, systématiquement, vous allez recevoir le numéro 4, qui est la folie juvénile, et dans laquelle il est dit, si tu questionnes une fois, je renseigne, si tu questionnes deux fois, trois fois, tu me casses les pieds et je dis plus rien. Et ça, cette expérience, elle a été faite par, je dirais, 90% des ceux qui font du Yijing régulièrement. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi d'une certaine façon dans des oracles de cartomancie. C'est qu'à un moment donné, à force de répéter certains tirages, on se rend compte que l'oracle est en train de nous mettre une espèce de holà en nous disant, bah, ça suffit. Bah, oui, mais vous savez, que ce soit le Yijing, le tarot, pour moi, c'est tout, au fond, c'est le même principe. Mais justement, le Yijing, en tant que physicien, mathématicien, ça me plaît, ces structures. Ça m'interpelle plus que les cartes du tarot, que je ne connais pas du tout. Je me suis amusé deux ou trois fois, mais je n'avais peut-être pas le meilleur lecteur. Et tout. Donc, je n'ai pas pu vérifier la véracité de ces choses. Alors qu'avec le Yijing, je suis un peu plus confiant quand même. Et alors là, pour l'expérience que vous faites, est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple d'une question sur laquelle les participants travaillent? Je précise aux auditeurs qu'on trouve tous ces rapports presque mensuellement. Donc sur le site joey.org, dans l'onglet Convoquer la synchronicité. Et là, donc je vois que de décembre 2021 à juillet 2022, on a mensuellement des rapports où vous présentez les données statistiques que vous tirez des réponses de vos participants et où vous essayez d'en faire un documentaire. Et ça, je le dis, c'est vraiment passionnant à lire. C'est très étonnant. C'est vraiment. Chacun devrait aller y jeter un coup d'œil. Là, je regardais justement le rapport sur la question que nous révèle le Yiking au sujet de la recherche scientifique effrénée sur la biologie du vieillissement afin de prolonger la vie à volonté. Et les réponses. Ah oui, mais ça c'est très bien, oui.
Mais c'est incroyable, les réponses qui ressortent du Viking, c'est vraiment très étonnant de voir ce qui ressort des examens. C'est très circonstancié, c'est-à-dire que pour une autre question, ça tomberait pas juste. Alors que là, d'un point de vue de la sémantique, il y a derrière tout ça, comme on a l'impression qu'il y a un dialogue qui s'installe. Ben oui, comme vous le dites, oui, effectivement. Et c'est assez décoiffant, n'est-ce Parce que, par exemple, je lis le commentaire d'un des hexagrammes. Donc, c'est un commentaire qui est basé sur le texte de Maud Christen sur le Yiking. Donc, on est sur la question de la recherche effrénée sur la lutte contre le vieillissement cellulaire et le déclin Oui, là, c'est très biologique. bien, oui. Et là, on a l'hexagramme qui nous dit: lorsque la situation amorce un déclin, il est inutile de se corrompre ou de poursuivre héroïquement des échanges stériles. Luttons contre nos peurs et rompons les liens tant qu'il est encore temps. C'est formidable. C'est pas génial, c'est génial, non? Et ça vient comme ça, c'est pas inventé, c'est pour moi qui est trafiqué. Là, j'ai tous les tirages, sont donc chacun peut vérifier son tirage. Je dis oui, c'est exactement ça que j'ai tiré. Donc, ça a une approche, si vous voulez, qui est, je dirais, méta-scientifique. Non, et tous les autres aussi sont aussi pertinents que ça, donc c'est. En tout cas, quand je vous écoute, je me dis, mais quel gâchis pour les universités qui mettent ces questionnements fondamentaux et si riches au banc du savoir et qui relèguent ça, qui... J'ai essayé plusieurs fois d'avoir des contacts. Ici à Zurich, par exemple, il y a une chaire de sinologie. Il traite un peu le Yijing, mais il y voit là seulement des textes d'ordre philosophique, parce que c'est un des cinq classiques. Donc, il se dispute un peu sur il faut mettre la virgule à gauche ou à droite. Et de considérer le Yijing justement dans cet aspect de divination, là, on se fait crucifier tout de suite. Oui, parce que les universités vont toujours envisager derrière le Yiking ou plein d'autres choses, tout ce qui n'engage pas sur la nature du phénomène en question, en fait. Exactement. Et j'étais pendant plusieurs années, de 2005 à 2018, j'étais professeur dans une école supérieure technique et j'avais aussi proposé à mes supérieurs hiérarchiques de faire un séminaire, donc optionnel. Et lorsque j'ai dit on veut faire sur le aging, elle écoute, on est une institution d'État, on est sérieux, je t'interdis de parler de ça ici. Hein. Non, c'est malheureux, oui, c'est très malheureux parce que bon, avec ce Yijing, on aurait une ressource là pour organiser sa vie, ses énergies de manière tellement plus adéquate. On pourrait éviter tellement de bêtises avec tout ça. C'est-à-dire que et je crois que là, la notion de spiritualité en Occident, elle est encore entachée des tas de mauvaises choses. La spiritualité, bien si on parle du besoin de transcendance de l'être humain. Là, déjà, on n'est plus vraiment dans le cadre de l'optimisation d'un processus industriel. On est vraiment, alors que les deux iraient très bien ensemble. Totalement, totalement, mais parce que d'une certaine façon, la spiritualité connaît peut-être ce même mouvement de déclin avec, à force de déclin, un ensemble de scories qui se mettent à s'y immiscer et on fait de la spiritualité une espèce de quête du bien-être, de quête un peu égotique aussi parfois, alors que la spiritualité est censée quand même nous ouvrir sur un champ de la connaissance. Absolument, voilà. Et ben, si on parle de ça, donc avec le Yijing, la spiritualité, on pourrait décider de faire ou de ne pas faire quelque chose. Et avec la science, on peut décider de savoir comment la faire. Et sur une de mes présentations, j'ai fait là la différence entre une approche scientifique et une approche du Yijing. Justement, j'arrive à ce. J'ai fait ça en 6 étapes, puis je dis voilà. Donc, si vous voulez décider de suivre un projet ou pas, vous utilisez le Yijing parce que le Yijing est capable de générer des informations qui sont au-delà du big data. Ça va vraiment délivrer des informations qui sont inédites, qui ne sont pas accessibles aux méthodes rationnelles. Et avec les méthodes rationnelles, eh ben, vous allez simplement mettre dans votre système des informations et le système va retravailler ces informations. Il ne va pas en recréer d'autres. Il va les utiliser dans une autre configuration, mais il n'y aura pas un apport d'informations nouvelles.
Et donc, pourquoi pas gérer les deux, c'est-à-dire que pour une partie, savoir si oui ou non je vais faire ça, pas se servir des ressources du IG, et ensuite, lorsqu'on sait qu'on veut aller de Berne jusqu'à Strasbourg, eh ben, on va prendre les méthodes un horaire là, du SPB, puis regarder comment ça va. Je ne vais pas demander au IG quel train je vais prendre. Voilà, c'est là où il y a la différence, c'est-à-dire qu'on fait ou on ne fait pas, et comment on le fait si on le fait, entre autres. Et ça pourrait être, je pense, ça pourrait certainement changer le monde. Si chacun se pose la question, est-ce que ce que je fais là, ça correspond à ma personnalité? Ouais, déjà, je pense beaucoup, beaucoup moins de suicides, beaucoup moins de personnes malades. Donc, économiquement, ce serait de toute façon un plus. Est-ce que de ce point de vue-là, ce que vous faites, c'est pas une mission d'intérêt général finalement? Oui, mais personne ne sait. Ça oblige à un peu d'humilité, c'est. Oui, non, mais c'est évidemment, c'est ça. Oui. Faire connaître le Yijing, c'est un peu, ça participe à ça. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup, professeur. Hein. Voilà, bah, arrête avec professeur. Non, c'est vraiment très précieux pour moi tout ça. Et c'est important d'essayer d'avoir un éclairage sur ces choses-là. Et j'ai toujours beaucoup de gratitude et de reconnaissance à l'égard des personnes qui, comme vous, essayent de faire ce travail-là envers et contre tout. Parce qu'on sait très bien qu'en termes de ce qu'on se prend dans la figure quand on arrive dans des institutions très rigides avec ces thématiques-là, c'est pas évident, quoi. Hein. Oui, mais je crois que je n'ai pas le choix. Hein. Disons, si on me posait la question, on fait un deal, Gabriel. On te donne 10 milliards. Par contre, tu refuses à partir de maintenant de penser I Ching. Impossible. Impossible. C'est plus fort que vous. Bah, je pense que c'est aussi chez vous comme ça, non? Le professeur ne croyait pas si bien dire. Car après tout, à un moment donné, il est quand même question d'honnêteté intellectuelle. Quand on perçoit qu'on touche là à quelque chose qui peut élargir notre champ de la connaissance, afin d'avoir, vis-à-vis du monde, un rapport plus sain, plus harmonieux et plus responsable, l'irrationalité consisterait justement à nier toutes ces choses pourtant si précieuses. Je tiens donc à remercier chaleureusement Gabriel Fellé pour avoir accepté d'intervenir dans cet épisode. La petite lanterne, après tout, a aussi pour objectif de mettre un peu de lumière sur des travaux de recherche si dignes d'intérêt, quoique méprisés par les institutions. Si vous-même vous souhaitez participer à l'expérience proposée par le professeur, n'hésitez pas à vous rendre sur le site joey.org et si cet épisode vous a plu, abonnez-vous afin de vous tenir informé des suivants. La petite lanterne.